Salut les amis, bienvenue dans le vlog numéro 5. On vous emmène avec nous sur l'enduro de ligue de Bona dans la Creuse, près de Guéret. Ce week-end, je pars avec Brandon. C'est qui Brandon? Le cousin. Damien et Gladys. Brandon et moi en Ligue 3. Damien en Ligue 2, N3. Moi, je suis 4e du championnat. Brandon est 5 ou 6. Enfin, ils sont tous ex-aequo derrière. 5, 6, 7, ils sont tous ex-aequo. Ils sont à 6 points derrière moi. Et Damien, lui, est 8 en N3. Donc là, on est mercredi 8 mai. Il est un petit peu avant 8h du matin. On va finir de préparer la moto. J'ai déjà fait une bonne partie. Je commence de bonne heure parce que j'aurai pas beaucoup d'images. Je vous ferai voir un peu de mécanique, le trajet. Comme d'habitude, on vous emmène avec nous. C'est parti! Protège-main, c'est fait. Les poignées, c'est rafistolé. J'ai réparé ma durite. J'ai vérifié mon liquide de refroidissement, la plaque phare c'est bon, j'ai fait l'essai, les numéros c'est bon, filtre c'est ok, la mousse de guidon c'est bon, j'ai mis ma montre, j'ai fait mes heures de CH, goupille plaquette c'est bon, donc roulement de roue avant c'est bon aussi, donc il me reste pignon de sortie de boîte, remettre ma chaîne, faire ma tension de chaîne, mettre ma roue arrière avec le pneu, faire la tension de rayon, et on sera pas mal. Allez, c'est parti. Vendredi matin, c'est le moment de charger. Il y a le Brandon qui est là. Salut. Et on va charger. Et puis demain matin, feu direction Guéret. Salut les amis, on est vendredi matin, on part pour Bona avec le cousin, le Brandon. Le Brandon. On passe par Jonzac prendre la moto de Daminou et direction Bona pour l'enduro de ligue, le 3e de l'année. Allez à fond. On part de Jonzac, on a récupéré la catoche de Daminou. Et direction Bona avec le Brandon. Il fait grand beau, ça va être top. Bon, arriver là-bas, ça va pas être la même. Hein. C'est les spécialistes des Bourbiers. C'est annoncé. Déjà, les spéciales, il va falloir les bonnes. Allez, c'est parti! Rendu à Bona, petit repas avec le Brandon, les 12 coups de midi, surtout, hein, on loupe pas. Hein. Impeccable. Allez, et puis après, faut aller repérer. Hein. Allez, on part en direction de la SP1 pour repérer. Bon, bah, on a croisé pas mal de monde, hein. On a fait demi-tour, on a été chercher les bottes. Hein. Apparemment, c'est carnage. Comment tu le sens, mon Brandon? On va découvrir ça, hein. On va regarder. Quelle trace est la bonne pour essayer de te niquer. Je crois que les objectifs sont clairs. Hein. Moi, je veux le niquer, il veut me niquer. Bon, on va voir comment que ça va se passer. Ça va être cool. Se faire plaisir, ça. C'est important. Bah, ce sera au moins cool pour un de nous deux, quoi. Donc, ton seul et unique objectif ce week-end, c'est de me baiser. Non, me faire plaisir, surtout, avant tout. Faire plaisir. Et voilà, rouler, gaz. Ah, moi, vous le savez, hein, c'est podium. Course ou championnat. Podium! C'est joli.
Donc là c'est joli, hein, c'est nickel. Là c'est joli. Et puis après, bah il faut monter là. Il faut monter là. Ça le fait, Brandon? Alors Brandon, qu'est-ce que t'en penses de la spéciale? Bah un peu moelleux à des endroits. Jusqu'à plus de moitié botte. Là, on y vient. Ouais, ça va mon ami Youssef? Alors comment on va la chaîne de YouTube? Eh bah, ben 200 abonnés, on y est, hein. On ah oui, oh, c'est vrai, félicitations. On t'a presque baisé. Bon, la forme? Ben ouais, il fait chaud, hein, par contre, hein. Est-ce que t'as des bottes? J'ai des bottes? Non, j'ai pas de bottes. T'as pas de bottes? Eh ben t'es dans la merde. Je lui ai demandé s'il fallait prendre des bottes, il m'a dit non. Ah, c'est affreux. Jusque là. C'est les cuissards. Il y avait ça qui restait. Et puis je connais pas. Ben oui, mais je pensais pas. Je dis à Gladys, c'est que... Et même en passant sur le côté, c'est... Pas partout. Mais... Ah oui, non, là, et là, ça va, là, c'est... Ouais. Ah non, mais j'ai des baskets. Autant y aller pieds nus. Allez, direction le contrôle administratif avec la team. Chaud, chaud, chaud. Ouais. Toi, t'es chaud. Ouais. Et j'ai vu, t'as performé à Châteauneuf. Ouais, pas mal. Mais ouais. Arrête de parler de ça, s'il te plaît. Oh putain, t'as fini sur le podium en plus. Non, 4. Bah, si, il prend 15 points, il a pris 15 points. Mais ouais, c'est pour ça. Après, sans les licences à la journée, ouais, 3 sur 2 avec 15, 14. Ok. Allez, allez, montez le bidon, gars. Ah ouais, génial. Ah, énorme. Ah oui. Bon, enfin là, c'est chausse-pied quand même, hein. C'est chaud, t'enlèves tout. Là, c'est chaud. Ça va être galère pour la rentrée et la sortie, hein. Il y a une deuxième, il y en a une deuxième là-bas. Deux. Non. Allez, de retour à la SP1 dans la merde. On y retourne, on aime ça. Damien, il fait le plein de je sais pas quoi, il essaye de remplir. Il essaye de remplir les produits. Il essaye de remplir un truc, là je sais pas ce qu'il branle. Bref. Donc voilà. Donc ils ont pas de bottes, on va rire. Daminou, t'as pas de chaussettes là? Non. Bah non, ça évite. Il s'habille que les chaussures comme ça. C'est bon pour la peau. Ah bah là ça va être bon pour la peau. On a pas beaucoup de paires de chaussettes alors. Allez, on y retourne. Ils vont comprendre les petits jeunes là quand même. Et Julien Kier, il en pense quoi de la spéciale les? Ça va être mouillé. Allez, bien arrivé à la spéciale 2, enfin, parce que Damien arrête pas de discuter, il nous fait chier. Je la refais alors. Voilà. Mais oui, mais j'aime les gens, alors voilà, j'y voilà, peux rien. Voilà, donc lui, il fait dans le social, hein, c'est sa vocation. C'est... Voilà. C'est mon métier. Eh bien, salut à tous, on est à l'enduro de Bona, en Creuse. Pour toi, Julien, c'est quoi tes impressions? Quelles sont tes impressions par rapport au spécial? Eh bien, comme d'habitude, ici à Bona... Ça va être bien. Première journée terminée, on a bien repéré le spécial, on sort du Buffalo, puis la petite sieste avec mon Brandon. Et puis voilà, demain matin on attaque. Allez. Allez, on part de Guéret, on file vers Bona. Départ, quelle heure? 10h10 toi. Ouais. Et nous 10h44 avec le Brandon. Comment tu le sens mon Dominou? Mais franchement ça va. Il y a juste le gros bourbier qui me fait peur, j'ai regardé un tuto pour ça. C'est pour dire. Le gros bourbier? Le gros bourbier, ouais, j'ai regardé. Il y en a qu'un d'après toi? Pour moi, il y en a qu'un. Il y en a qu'un? Ouais. Ok. Pour moi, il y en a 12. Mais après, sinon, ça, je le sens plutôt pas mal. Hein. Et toi, Brandon? Ben, on va voir, ça va être difficile à mon avis. Déjà, il va pas faire froid. Et puis, on va voir tous ces bourbiers là qui nous ont fait, à mon avis, il y en a beaucoup plus en liaison qu'on peut penser. Ah oui. Ça va être compliqué, il va falloir choisir les bonnes traces.
Bon, après, il y a le Juju qui est devant toi. Ouais, tu vas me faire la trace, tu vas m'ouvrir. Ce que tu fais, c'est que tu me suis de près. Ouais, toujours. Et puis, tu prends pas de roll-off. En diagonale. Allez, on file. On fait 3 et 4. 3 et 4 ? Ouais. C'est pas grave. Mais voilà. C'est le jeu. Mais parce qu'en fait, le tracé, c'est tout droit et des tranchées. En fait, en gros, c'est ça. Et... Je me souvenais pas que c'était aussi merdique. Hop. Par rapport à l'année dernière. Par contre, la 2, elle est vraiment belle, je trouve. Ouais, vraiment très chouette. Hein. Et au final, le talus là, ils ont ouvert un truc sur le côté. Hein. C'était quand même. Oui, bah oui. C'était quand même bien. Bah oui, moi je suis passé sur le côté. Bah, c'est ravagé un peu quand même, mais ça va. Ouais. Par contre, je sais pas si quand vous êtes passé, les banderoles étaient coupées un peu partout. Hein. Ah non. J'ai pas fait attention. Dans la une. Dans la une. Hein. Partout. Hein. Les grands tout droits et tout ça. Moi je suis pas de mon rôle, j'y vais hein. Il est combien d'Aminou là? De quoi? Je sais pas où t'es. T'es combien? Je sais pas. Après le premier tour j'étais 29. Scratch? Ouais scratch. Tu déconnes? Non c'est vrai ouais. Et la 1 je suis tombé 3 fois. Mais j'en ai doublé 3 qui se tankaient un peu dans le premier. Tu dois pas être trop mal en N3 du coup là. Ouais, je pense. Après, il y a du monde, hein, en N3. Chaque fois, j'ai fini 7 et 8. Parce que les mecs en N3, ils roulent. Hein. Mais je me souviens à Comprégnac, sur les 30 premiers, il y en avait, je crois, 12 qui étaient en N3. Oh putain. C'est la catégorie relevée cette année-là. Moi, l'année dernière, 0. C'est Ligue 1, Ligue 2 et le reste, on chie dessus. Je te dis trop rien. Oh, c'est privé là. Hop. Ah. Est-ce que ça fait pas plaisir ta bite ou quoi? Il commence à faire chaud là quand même. Ça le fait mon ami Nou? Ouais, nickel, ouais. Bon allez hein. Allez, force ouverte. Ouais. Yo. À tout hein. Yes. Allez mon ami nous. Viens à fond. Bien sûr toujours hein. Ouais.
fin de journée, bah, on est à la remise des récompenses hein, pour Blandon qui m'a niqué sur la deuxième spéciale. Enfin, je me suis niqué tout seul en fait, en vrai. J'avais fait le boulot, j'étais troisième après la première spéciale avec 33 secondes sur lui avant la spéciale 2. Et puis, j'ai loupé une ornière, je me suis foutu dans un contrebas comme un tocard. Et du coup, bah, c'est Brandon qui monte sur le podium. Premier podium pour lui. Ça s'est passé comment ta journée, Brandon ? Bah, bien ensemble, un peu dur sur la fin, bah, du fait de beaucoup de bourbiers, beaucoup de pierres. J'ai trouvé. C'était pas une course facile, hein ? Ça a tassé un peu le dos. C'était pas une course facile. Parce que c'était pas facile de se mettre debout, du fait qu'il y avait les arbres qui étaient assez bas, donc il fallait rester un peu assis. Enfin, c'était un peu technique, mais beaucoup de bouillasse, tout ça. Donc, un peu physique, mais bien passé dans l'ensemble, mais satisfait. Pas satisfait de la SP1 parce que je chute 3 fois, donc ça me fait perdre énormément de temps. Oh, bah, c'était carnage. Prendre la tête. Alors en fait, pour vous faire l'histoire, en fait, on prenait le départ. On prenait un petit chemin et 5 minutes après, on était dans la SP1. Et la SP1, c'était un chantier pas possible. Donc je m'élance en premier. On s'était mis d'accord comme ça. Et puis dans un bourbier, on avait décidé de la même trace. Et puis il y avait des marshals et ils me disent de prendre une autre trace. Je me mets dans cette trace et je me tanque. Donc Brandon en profite pour me doubler. Il était juste parti derrière moi. J'ai pris la trace qu'on avait dit justement. J'ai vu que Juju était tanké. J'ai dit, je vais passer et par là. Et les marshals m'ont aidé à me sortir assez rapidement, donc ça s'est pas trop mal passé. Lui, 50 mètres après, il cale, il a du mal à redémarrer. Ouais, un mec qui cale devant moi. Du coup, je le redouble. Et du coup, il a forcé un peu pour me rattraper et du coup, il s'est foutu par terre. C'est la faute. Mais c'était carnage en fait. Fallait survivre en fait dans cette spéciale. Ce que j'ai fait. Donc, on sort avec le 3e et 4e temps. Ouais. Après, pareil, hein, la SV2, c'est pareil. Hein. On repassait le CH et on faisait quoi ? À peine 2 km de roulant. Ouais, et c'était directement la SV2. Et puis finir la liaison. Mais bon, c'était quand même moins agressif que la première au niveau des bras. Ouais, en plus, on s'est pas forcément très très échauffé avant de partir. Donc ça a tapé dans le vif du sujet et tout le monde à la fin de la SP1 avait le cardio bien haut. Ah, c'est Max. Tu vas bien ? Alors, bonjour, ça va ? Bah ouais, 3e et 4e en Ligue 3. Oh putain, t'es sur le podium ? Non, lui, pas moi. Et toi, ça t'est ? Non, c'est des durs. Hein. Je suis tombé après dans la deux, je suis resté dans un bourbier dans la tombe, je suis pas de monter. Ah putain, les bourbiers, putain. Oui. Écoute, nous on prend la route. Yes, et ça roule, Maxime. Et voilà, faites un bon. Et puis si on se croise le week-end prochain, et puis ou sinon dans 15 jours. Ça marche. Ça a été comme tu voulais, Valou ? Ouais, carrément. Alors, qu'est-ce que t'as fait ? Comment s'est passée ta journée ? Très très bien. Je pars premier spécial, je fais deuxième temps scratch Ligue 1. Je reste deuxième scratch Ligue 1 jusqu'à l'entame du troisième tour. Et cinquième spécial, je me prends un arbre. Du coup, je recule dans le classement et je finis. Je sauve les meufs dans l'air spécial, je finis sixième et du coup, deuxième junior. Bravo ! Merci. Bravo, bravo, tu le mérites. Merci. T'es chargé de malade, mon Brandon. Et troisième place, le numéro 771, Brandon Auru. Chargé de malade. Chargé de malade, Brandon. T'es chargé de malade. Bravo, messieurs. Bien, mon Brandon.